Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit, une imprécision que j'ai dite dans la dernière vidéo. Je disais en fait que à l'époque de l'Ancien Régime, il était très exceptionnel pour les paysans d'aller se battre et que très souvent ils labouraient leurs champs de leur naissance à leur mort. C'est pas faux ce que j'ai dit, mais je voulais quand même préciser que sur la base du volontariat, il y a quand même eu un certain nombre de paysans qui allait se battre en fait pour le roi, par exemple à la bataille de Bouvines, pendant les guerres de Cent Ans aussi. Alors je vais commencer cette vidéo en démystifiant un épisode de cette guerre de Vendée, à savoir que ce serait les nobles qui auraient fomenté cette contre-révolution. Donc en fait c'est pas du tout les nobles, hein, ça a été quelque chose de spontané. En Vendée militaire, ce sont les paysans qui se sont révoltés. En particulier après la conscription, hein, c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. En fait, il faut faire très attention parce qu'à partir de la Troisième République, il y a eu une réécriture de la Révolution française, en particulier via l'historien officiel qui a été Jules Michelet. Faut savoir pendant toute une bonne partie du 19e siècle, la République n'était pas du tout populaire dans le peuple. Ils avaient vraiment besoin d'être légitimés et ça passait quelque part par une réécriture de l'histoire. Donc je vais citer Michelet dans son Histoire de la Révolution française. Le noble amenait l'étranger et le prêtre empêchait qu'on ne pût se défendre. L'un poignardait la France, l'autre la désarmait. Donc c'est très clairement faux, même les historiens actuels le reconnaissent. Il n'y avait pas ce complot royaliste, en tout cas dans un premier temps. Après, il y a eu d'autres mensonges républicains sur le sujet. Par exemple, ce qui est assez connu, c'est la phrase de Marie-Antoinette sur la brioche. Mais après, il y a aussi tout ce qui est culture populaire, malheureusement, et souvent les gens, ils n'ont pas une connaissance historique très étendue. Ben, en fait, qu'est-ce qu'ils vont retenir de la Révolution? Ça va être la phrase de Jacouille dans Les Visiteurs. Il était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Pardon? Robespierre lui a fait couper la tête. Quel bon sens, ce Robespierre! Je suis plus un serf! Je suis un homme libre! Vive la révolution! Vive la révolution! C'est dommage, moi j'aime bien ce film, mais malheureusement, ça déforme les esprits. Et puis plus récemment, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série de Netflix qui s'appelle La Révolution. Et je ne l'ai pas regardé, mais bon, ça a l'air assez désespérant. En fait, l'idée, ce serait que les aristocrates seraient devenus fous et se seraient mis à terroriser le peuple. Alors bien sûr, c'est de la fantaisie, mais bon, malgré tout, ça entretient un climat qui est faux sur cette période historique qu'est la Révolution. Voilà, donc ça, c'est un autre mensonge historique. Pour illustrer un peu ça, je vais citer un passage du livre des Mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin. C'est un ouvrage de référence quand on parle des guerres de Vendée. Je vous encourage vraiment à lire ce livre si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà ce qu'elle dit à propos des révoltes qui ont commencé en mars 1793. Donc c'est la page 124 de son livre. Je finis ce chapitre en assurant l'exacte vérité, mais qu'on n'a jamais cru, que ni les prêtres ni les nobles n'ont fomenté ni commencé la révolte. Ils ont secondé les paysans, mais seulement quand la révolte a été bien établie. Alors ils y ont cherché à la soutenir. Je suis loin de dire qu'ils ne la désiraient pas, mais on doit croire, en y réfléchissant un peu, qu'aucun d'eux n'était assez fou pour engager une poignée de paysans sans armes, sans argent, à attaquer la France entière. Voilà, donc il y a plusieurs sources hein, qui évoquent ça. Maintenant, parmi même les historiens officiels, c'est quelque chose qui est assez reconnu, que ça a été quelque chose qui est venu des paysans et pas des nobles. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que des nobles comme Monsieur de Bonchamp qui avait fait la guerre,
pour le roi, ils étaient vraiment au courant de ce qui était la chose militaire, donc ils savaient très bien qu'ils avaient très très peu de chances de gagner. Et même les autres chefs, même les autres chefs qui n'étaient pas forcément issus de l'armée, ils étaient au courant de la chose politique, ils savaient très bien le rapport de force, et donc ils y sont allés à reculons, hein, quand on regarde bien, même si ils avaient vraiment cette fibre-là, bien entendu, ils étaient religieux, ils étaient attachés au roi, ils avaient envie d'y aller, mais quand les paysans sont allés les chercher, ils ont pas mal tergiversé parce qu'ils savaient que sans doute ils se condamnaient. Monsieur Delbé, Monsieur de Bonchon, ils avaient des enfants en bas âge à ce moment-là. Je crois que leurs deux femmes étaient enceintes. Et donc voilà, forcément, ils étaient humains. On a plutôt envie de voir grandir ses enfants que d'aller dans une aventure qui est certes très belle avec un sens du sacrifice, mais qui est vouée à l'échec. En fait, le premier généralissime de l'armée catholique et royale, ça va être quelqu'un qui est issu du peuple. Il s'appelle Jacques Catelineau et il a une réputation de saint de son vivant. C'était un marchand, donc c'était pas du tout un noble. Et ça va pas être le seul général issu du peuple. Il va y avoir aussi Stofflet, Nicolas Stofflet. C'est un Lorrain, donc c'est pas un Vendéen d'origine. Il était garde-chasse et il va se joindre à la contre-révolution. C'est quand même assez remarquable de le noter. On aurait pu penser que ça allait être quand même un noble qui allait prendre la tête de l'armée catholique et royale. Mais dans un premier temps, ça ne va pas être le cas jusqu'à la mort de Catelineau au siège de Nantes. Donc quand on regarde en fait la région donc, où Jacques Catelineau était originaire, ça va être la région où il va y avoir la plus grande révolte. Donc si on parle avec les références administratives actuelles, c'est le sud du Maine-et-Loire, qu'on appelait à l'époque l'Anjou. Donc outre Catelineau, il va y avoir d'autres nobles comme Monsieur de Bonchamp et Monsieur d'Elbée, qui sont eux de Saint-Florent-le-Vieil et de Beaupréau. Donc c'est pareil, hein, c'est dans le même coin tout ça. Et d'ailleurs, Maurice d'Elbée sera lui aussi généralissime après la mort de Catelineau. La révolution prétend arracher les hommes à leur foyer par une nouvelle loi de conscription. Foutu bourgeois pour se payer un remplaçant. Pas de roi, pas de loi. Un peu partout dans l'Ouest, la foule des jeunes appelés va se heurter aux patriotes, aux pataux, gendarmes et gardes nationaux. Et de proche en proche, dans 600 paroisses au sud de la Loire, les cloches vont se mettre à sonner le tocsin, appelant la population aux armes. 12 mars 1793, à Saint-Florent-le-Vieil, les émeutiers ont rossé les gendarmes, chassé les autorités révolutionnaires et fêté toute la nuit leur victoire. Mais le lendemain, ils ne savent que faire de leur pouvoir. Alors ils vont au village du Pin en Mauges, prendre conseil de l'un des leurs, qui s'est acquis une réputation de sage et de saint. Jacques Catelineau, voiturier colporteur. Il a 34 ans, une femme et 5 enfants, pour lesquels il était en train de faire le pain. Salut les gars, vous en avez fait de belles. Et maintenant, que faut-il faire? Résister. La guerre est à présent pour nous le seul moyen de salut. Et s'il nous faut périr, que ce soit au moins en combattant. La bande de Catelineau va s'unir à d'autres. Et du 10 au 15 mars, les émeutes spontanées des conscrits vont tourner au soulèvement général d'une population excédée. Il faut alors des chefs expérimentés, de vrais militaires, les nobles. Le marquis de Bonchamp sera sceptique. Il refuse de prendre la tête d'une jacquerie. Mais devant l'insistance de ses gens, il demande la nuit pour réfléchir. Ce soldat de métier, âgé de 33 ans, a déjà longuement guerroyé en Inde, avec des troupes réglées. Mais que valent ces paysans qui n'ont jamais porté les armes
que dans la braconne. Ils vont au massacre. Ils courent au martyr. Comment leur faire entendre raison alors que constamment dans la nuit arrivent les nouvelles exaltantes des victoires du petit peuple? Vive Monsieur de Bonchamp! Vive Monsieur Delbé, que les insurgés sont venus déloger aussi et qui suit la décision de Bonchamp, son ami. Ancien officier au régiment Dauphin Cavalerie, il reprend ainsi du service à 41 ans, quittant sa femme et un enfant nouveau-né. La deuxième principale région qu'on peut voir, c'est ce que les Deux-Sèvres, le nord des Deux-Sèvres actuels. Et ici, ça va plutôt donc vers Mauléon, qui s'appelait Châtillon à l'époque. Donc, dans les Deux-Sèvres actuels, là, ça va être Henri de la Roche-Jacquelin, qui lui aussi sera généralissime à un moment donné, et Lescure, qui vont émerger en tant que chef. Donc, tous les deux issus de la noblesse. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que cette région, donc près de Châtillon-Mauléon, à l'époque, en 1792, juste après la prise des Tuileries, il y avait déjà eu une révolte, donc la première révolte qui préfigurait un petit peu la contre-révolution, donc un an en fait avant les événements de mars 1793, et ça avait été maté dans le sang. Donc ils vont rejoindre la contre-révolution un tout petit peu plus tard que les autres communes, parce qu'au départ ils étaient un peu réticents parce qu'ils s'étaient fait massacrer en 1792, donc forcément ils ont un petit peu hésité avant de rejoindre le mouvement. Ce 17 avril 1793, les appelés de la région autour de Saint-Aubin de Bobigné viennent chercher le descendant des marquis de la Roche-Jacquelin, Henri, qui est touché lui aussi par la conscription républicaine et dont le père est retenu loin d'ici, dans ses plantations, aux îles. Les réfractaires attendent que celui qui fut leur camarade de jeu devienne leur chef de guerre. Mes amis ! Mes amis ! Si mon père était ici, il vous inspirerait plus de confiance. Quant à moi, je ne suis qu'un enfant, mais j'espère vous prouver que je suis digne d'être à votre tête. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Ensuite, donc il y a tout ce qui est le bocage en fait. Donc c'est la région vers les Herbiers, Chantenay, ce genre de coin. Donc ça c'est plutôt le centre Vendée. Là ça va être, il va y avoir un petit peu moins, ça va être un peu moins massif les soulèvements, mais quand même c'est une région très rurale, donc très attachée au roi à la fois. Et là, ça va être plutôt Sapinot qui va émerger. Et enfin, la quatrième région qu'on peut un petit peu faire ressortir, c'est la région des Marais, donc une région plus côtière, donc vers Léger, Machecoul. Et là, ça va être Charette qui va être, donc qui est très connu, qui va être mis à la tête de la révolte. Donc c'est une région qui est assez étendu hein, parce que ça remonte jusqu'à au sud de la Loire, quasiment jusqu'à Nantes en fait. Et Charette va être un petit peu à l'écart en fait. C'était quelqu'un qui avait une personnalité qui était assez indépendant et il va pas toujours se mêler aux actions de l'armée catholique royale. Il va être un petit peu mener ses propres actions, même si de temps à autre, en fait, il va y avoir des actions coordonnées. Par exemple, le siège de Nantes en juin 1793, là, Charette va participer à l'attaque. Voilà, donc c'était un petit peu
J'ai fait une vidéo un peu plus courte que la dernière fois. On va essayer de continuer sur ce format, hein, parce que bon, 20 minutes, c'est un peu trop long, je trouve. Voilà, merci pour votre attention, et puis j'espère que vous aurez appris quelque chose quand même.